Bonjour à tous, on se retrouve ici aujourd'hui pour... on va continuer un petit peu à faire des potions, mais bon, on va en faire... Ah, mais oui, j'étais en AFK. Parce que j'étais sur un site web pour avoir le listing des recettes. Je ne les connais pas. Je ne connais pas les recettes de potions. On va se faire un coffre. Un coffre unique où on va... Voilà, 4. On va mettre... je sais pas pourquoi je le fais là, mais bon, c'est pas grave. Où on va mettre uniquement les ingrédients pour... pour les potions. Voilà, uniquement. Donc on aura besoin de ça, de la poudre à canon... ça aussi je crois qu'il y en a besoin. Alors attendez, je regarde sur le site. Des carottes, ouais, ok. Bon. Spider machin, c'est bon. Attendez, je regarde et en même temps je viens sur ma fenêtre Minecraft. Bon, ben je crois que ça a l'air bon. Ça va dans les potions. Ça va dans les potions, ça va dans les potions. Il y a ça aussi, à la base. On aura des légumes. On a de la glowstone aussi. On va la prendre. Ouh, j'en ai plus que 22. Ah oui. Je crois que c'est pas bien grave. Je pense qu'en les cassant... Non, je vais les garder, celle-ci. En les cassant, les luminites, on récupère les poussières, donc ça va. On va aller dormir. Ouais. On va dormir. Hop. Voilà. Bon. C'est le petit matin. Très bien. Donc, bon, ben, j'ai fait... vous avez pu voir un dernier épisode. J'ai fait ça, j'ai fait ça. Ils sont jolis, hein. Alors ce qu'il y a c'est, bon bah il y a eu des petits changements, j'ai mon épée enchantée, j'ai une pioche en diamant qui est, qui a été réparée, qui a été refaite, qui a été... ce qu'il y a c'est qu'entre l'épisode où, l'épisode en 5 parties, enfin la session en 5 parties, c'est à date de plus d'une semaine, donc en fait chaque jour, vu qu'elle était coupée, elle était déjà prête à poster, ben chaque jour j'en postais une partie, voilà, pour vous éviter un spam de 2h ou d'1h30, ou voilà. Et moi pendant ce temps-là, ben je suis allé au Nether, j'ai XP, j'ai un petit peu amélioré la maison. Vous avez pu voir que j'avais mon jukebox. Voilà, mais bon. Bon, il y a eu l'escalier, tout ça, voilà. Bon, ben, tout ça, vous l'aviez vu. Hop. Un petit peu de zik. Bon, je me suis pas attardé trop sur la maison, quoi. Je me suis surtout attardé concernant les ressources pour les potions. Alors, le coffre, je pense qu'on va le mettre là. On va le mettre ici. Ouais. On va mettre le coffre à... Ah merde! Oh! Oh là 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 là. Je vais en avoir des tonnes de tables de craft. Pff. Non, c'était un coffre. Un coffre, bon sang. Je suis vraiment à la masse. Ah, il y a des moments, j'ai un peu de mal. Hein. Voilà, un vrai coffre. Et pas un établi. Voilà, bon. Donc on va mettre tout ce qui est... tout ce qui va pour les recettes, la recette d'une potion. On va remettre... J'en ai eu plein, hein. En plus avec cette épée là. Tranchant 4, butin 3, j'en amasse pas mal. J'ai réussi à avoir une patate. Elle a l'air déjà cuite, je pense.
Mais je sais pas, on va voir. Non, elle était pas cuite. Bon. Donc là, j'ai tout mon verre. On va faire plein de fioles. On va en faire plein. Voilà. On en a combien? 57. On va en faire plein. Voilà, 60. On a quasiment un stack de fioles. On met le verre là. On va faire pousser de la pastèque. Alors ça, je l'ai eu. J'ai refait la mine en bas, la mine abandonnée. Et bon, il n'y a rien. C'est ce que je vous disais, elle est trop haute pour trouver quoi que ce soit d'intéressant à part de la pierre. Je vais vous nourrir, vous. De la pierre, du charbon et du fer. Il n'y a rien. J'ai quand même trouvé deux coffres. Enfin. Et ils sont pas disposés comme en partie normale. Vous savez, en partie normale, ça retourne en bas. Ça, on les garde. En partie normale, les coffres sont souvent juxtaposés au mob spawner. Comment dire? Au mob spawner d'araignée bleue, et là non. Il fallait vraiment chercher, donc j'ai réussi à en trouver deux. Qui étaient assez éloignés, mais la mine est relativement grande. Donc voilà, j'ai pas donné à manger aux chiens, bah tant pis, hein. Ils vont attendre un petit peu. Aïeux. Elle s'est déplacée, hein. Il y a une vache, vous voyez, elle venait de dehors, enfin de dehors, de derrière. Elle commençait à arriver là-haut, elle est descendue. Elle est allée jusqu'au champ, elle s'est retrouvée sur le coffre. Et ben elle a fini par descendre. Vous voyez? Donc, si vous tuez du bovin ici, ou des moutons, ben ils finissent par revenir, regardez. Parce qu'ils se déplacent, les animaux sont nomades. Par contre, ceux qu'il y avait là, il y en a, vous vous souvenez, il y en avait quelques-uns. Regardez, ben ils sont plus là, ils sont partis. Ils sont partis, donc tout le monde pense que bon, c'est vrai que tuer le bovin, les moutons, comme ça les fait pas revenir. Mais il faut savoir que la map, il y a un cycle qui s'effectue, donc. Tout le bétail se déplace quoi dans Minecraft. Donc il y a un moment donné où vous finirez par voir deux moutons, trois poules, une vache. Mais ça vient moins vite, hein. Faut les laisser se déplacer. Là il y a un mouton qui n'était pas là avant. Maintenant il est ici. Là-bas il y avait des moutons marrons et blancs. Ben, ils ont dû partir. Ils se sont déplacés et puis là ceux qui devaient être par là-bas là, ben, ils commencent à venir ici. Voilà. On commence à avoir du bétail. Voilà, regardez, cette vache qui devait pas être là avant, elle est là. Je crois qu'il y a d'autres bestiaux qui vont commencer à se déplacer, à arriver par là, quoi. Voilà. Bon, alors on va chercher de l'eau. On va se faire. Enfin, on va d'abord planter la pastèque. Enfin, les pastèques, faut que je fasse de la place pour de la pastèque. Voyez, elle commence à se déplacer. Elle était là et elle commence à partir. Voilà. Donc, pourquoi j'ai cette musique? Il se passe quelque chose ici? Ah, j'ai toujours pas fait cette descente d'escalier. Parce que sinon, on va passer tout notre temps. Je passerai tout mon temps à faire que ça. Et toutes les vidéos seraient basées que sur. Ça, c'est la vache, ça. Alors, ce qu'on va faire. Oh, c'est pas possible. C'est pas possible du tout. Je n'ai plus la houe. Bon, où est-ce qu'on va planter nos pastèques? Eh ben voilà, on va faire ça là. On va en mettre une ici. Et on va en mettre une là.
Pastèque, voilà. Une ici qui va pousser là-dessus, une ici qui va pousser là-dessus, je pense, non? Ah, c'est bon, il y a quelque chose. Ouais, on voit le petit carré. De toute façon, on voit vraiment rien. Il n'y a rien du tout. C'est pas grave. On va mettre de la poudre d'os. Voilà. On va passer. Va peut-être s'en mettre une troisième pastèque. Ici. Voilà. Très bien. Bon, on a trois pastèques. Les citrouilles, franchement, on s'en fout, à part pour le gâteau, je pense. J'ai pas du tout ce que donne le gâteau. Bon, ben, on va patienter. Ben, je sais pas trop combien de temps il faudra pour ça. On va ben, récolter des carottes, allez hop. Je crois qu'elles sont à maturation, ouais, c'est bon. Ben, je crois que je vous l'ai dit dans l'épisode précédent. Ben, ces carottes-là, je les ai eues dans, après la découverte d'une maison de PNJ, un couple d'éleveurs de poulets. Bon, il n'y avait plus de poulets. Et bon, ben, ils sont morts. Hein. C'est bien dommage. Ils sont morts, donc j'ai récupéré leur jardin de carottes, quoi. Voilà. Il y avait du blé, des carottes. J'ai pas touché au blé. Complètement inutile. Et on va donner à manger. Alors attendez. Voilà. On va mettre les carottes là. On va préparer un petit peu de. On en a déjà là. Ouais, je crois qu'il en faut pas mal. On va s'en faire. Voilà, un stack. Voilà. J'ai mis les carottes, ça risque pas de le faire. Hop, voilà. Ah ben non, je suis. Oh. Mais non, c'est pas si simple. Hein. Donc j'aurais pu en faire. Attendez. On va tout faire, voilà. On est sûr d'avoir ce qu'il faut. Voilà, très bien. On a 30, 40, 30 carottes d'or. J'ai que 6 larmes. C'est vrai que j'en ai pas. Enfin, j'en ai tué quelques-uns, mais il y en a beaucoup qui sont tombés dans la lave. Bon, ben, on va les laisser là. On va laisser ça là. Voilà. On va redormir. Je n'ai pas nourri les chiens. C'est pas bien. On va se faire. Ben, on va aller. On va nourrir les chiens. Si j'y arrive. Je vais y arriver, hein. Bah oui, le chien. On va aller voir les pastèques. À mon avis, il ne doit pas y avoir grand-chose. Ça n'a pas dû pousser. 3. Il en manque un. Où es-tu? Il est peut-être tout là-haut, dans la chambre. Je ne sais pas. Il n'y a que 3 chiens. Ah non, il était dans la montée d'escalier. C'est vrai qu'il est un petit peu en soubassement à côté de la lampe redstone et ça le cache. Le pauvre. Non, ça n'a pas poussé. Voilà. Pas de bug, de loupiote. Non. Bon. Ah oui, il en manque un. Bah oui, je les ai pas tous nourris. Regardez. Oh, le pauvre. Il est là. Allez. Viens là.
Bon, mais tu préfères aller en bas. Voilà, tiens, reste ici, c'est très bien. C'est très très bien. Alors, on va pouvoir se faire une potion. Non, parce que j'ai toujours pas l'eau. Oh, punaise. J'arrête pas. Alors, non, ce qu'on va faire, c'est que je vais faire deux seaux d'eau. Parce que... J'ai essayé de faire, enfin je vais le faire. On va se faire une source infinie ici, là, en flotte. Sinon, on va être obligé d'aller en chercher. Il faudrait que je fasse une petite place intéressante. Ouais. Ah ben voilà, c'est bien ça. Bon, faut que je fasse attention, hein. Je pense qu'on va mettre l'eau ici. Ça fait bizarre, mais bon. C'est vrai que ça fait bizarre. Bizarre, bizarre. On rebloquera le tout, on laissera juste un cube de sortie. Ça, on pourra, tout ça, on pourra le cacher, quoi. On va faire ça. Sinon, niveau eau, va falloir. Vous avez vu la route qu'il faut faire. Sinon, je peux faire ça ici, mais bon, c'est mieux de rester. De rester. À côté de la salle de travail. Pouf, on s'en fout. Ça fait mal, mais on s'en fout. C'est pas grave. Voilà. Bon, il y a beaucoup de luminite, hein. J'en ai mis la tonne. J'ai pu en faire pas mal. Je trouve que c'est assez bien aménagé. Bon, j'ai pas fignolé le truc, hein. Mais bon, c'est suffisant. Voilà, ça décore un peu, ça fait moins sauvage, quoi. Allez, une source infinie. Piop, piop, piop. Voilà. Voilà. Bon, ben on va remettre. Vous voyez, j'ai eu de la roche direct. J'en ai eu 12. Je pense que je peux faire ça. Ça devrait rester. Sympa avec la lumière en plus. Là, ouais, il n'y en a pas. C'est pas génial. Allez, on va laisser avec la petite loupiote. Voilà. Très bien. Ah bah oui, j'ai rempli les deux. Ah bah c'est bon. J'ai oublié que ça changeait automatiquement. Vous en videz un, vous en le remplissez, il y a l'autre qui vient se mettre. Bon, allez. Trois potions. Hop. Voilà. On remplit d'eau. Voilà. On vient les mettre. Et on commence à poser ceci. Voilà. Pendant que ça se fait, je regarde. On va faire. Bon, guérison pas encore. On va se faire une petite vision nocturne. 8 minutes avec une redstone. C'est pas mal 8 minutes, hein, parce que les splashs sont moins longues. Vision nocturne splash, ça dure que 2 minutes 15. Ouais. Ou alors 6 minutes avec une poudre. Ouais, les splashs sont moins longues. Vaut mieux la boire.
Donc, il nous faut une carotte. Une carotte. Alors, attendez, c'est bien ça, hein. Voilà, c'est ça. Malsaine potion, tout à fait. Donc, ça, c'est la base. Voilà, on laisse se faire. La plus longue dure 8 minutes. Donc celle-ci, elle va se boire. L'autre, avant, j'avais fait des splashs. Elle durait 6 minutes, mais bon. Ouais, on va se faire des 8 minutes à boire. Ça va moins vite. Mais bon, il nous faut une redstone. Voilà. 3 minutes et une redstone, ça va nous faire du 8 minutes à boire. Alors, ce qu'il faut que je trouve, c'est comment faire, parce que ça, j'en ai jamais fait. Des yeux de ah, ça y est, elle est finie. Ouais, 8 minutes, c'est cool, 8 minutes. Et là, ce que j'ai envie de faire, vous voyez, c'est mettre toutes mes potions ici. Et toujours avoir... Bah, il est où mon coffre? Et il est peut-être dans le nether. Comme ça, j'ai coffre sur moi, tout le temps. Et puis, par exemple, si on n'a plus de torches... On pose le coffre et on pourra sortir une potion, voilà, pendant 8 minutes, une ou deux, quoi. Ça va le faire, moi, je pense. On va se faire... Alors ça, je sais plus comment ça se fait. Alors je fais une petite... je regarde à peu près comment ça se craft. Ah, il me faut du sucre et un champignon marron. Du sucre et un champignon marron. Heureusement que j'ai pris les champignons. Je crois qu'ils sont ici, dans le coffre. Ça doit être celui-là, hein, je pense. Bon, on ira prendre en bas tout ce qu'il y a en bambou pour faire du sucre. Alors, qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Avec ça, avec un œil, enfin un truc fermenté, on peut faire des potions de faiblesse, des potions de lenteur, des potions nuisibles. Potion d'invisibilité. Ouais. Invisibilité, nuisible, qui retire, qui fait des dégâts instantanés. Alors il y a les lenteurs, splash. Ouais, ça ralentit, ça peut ralentir l'ennemi, je pense. Je regarde, je regarde, je regarde. Les potions de faiblesse, moins de force. Les potions empoisonnées. Mais là, il faut un œil d'araignée normal. Pas du tout fermenté. Bon. Bah, ouais, je vais pas en faire. Je vais pas en faire plein. Ça sert à rien parce que. Potion nuisible, potion de lenteur, bon, ça va pas être bien utile. Ce qui est plus utile, c'est la vita, la vision nocturne, l'invisibilité, je sais pas, force, oui.
Mais on va se faire encore des potions de vision nocturne. Parce que je trouve qu'elles sont pas mal quand même, c'est. Vrai que je pourrais remplir les fioles d'ici, mais c'est pour le style, tout simplement. Et on pourrait très bien mettre une trappe. Ah, je crois que j'ai une trappe. Ça cacherait la misère. Ouais, mais j'en ai même trois. Comment je vais la mettre? Comment je vais pouvoir la mettre? Ici, elle peut pas se poser, peut-être parce qu'il y a le coffre. Et ouais, et si je la casse, ça marchera pas. C'est complètement inutile ce que je fais. Mais complètement. Ou alors. Mettre une dalle, non? Est-ce que je peux faire une dalle avec ça? Ben oui, dalle en pierre, dalle en pierre. C'est moins éclairé. Ben oui. Ah, bon. Bon, ben tant pis, hein. Tant pis pour la. Je voulais qu'elle se pose et quand on puisse la fermer sur cette face-là, quoi. Fait, il aurait fallu la poser là, mais qu'elle puisse se fermer vers le bas, pas vers le haut. Oh, les dalles sont très jolies. Et est-ce que ça fonctionnerait comme ça? Vers le bas? Non, bah non, voilà, c'est ça le truc. Fonctionne pas vers le bas. Puis ça sert à rien. C'est complètement nul. Bon ben on laisse comme ça, hein. Tant pis. Alors, les potions. Voilà. On se met. Ah ben non. Pas encore expert. Voilà, on commence par ça. Un spawn ici. Arrêtez. C'est par là? Tout est allumé. On va regarder où c'est parce que là, je n'aime pas du tout ça. Tu es où? Où es-tu?
comprends pas. Il peut pas être là-haut, c'est allumé, il y a des bougies. Ouais, voilà, il y a des bougies. Donc il est pas ici. Il est pas dans la chambre. Normalement, il doit pas spawn dans. Il est là. Ah, t'étais là? Salopio, full camp. Oh, ma porte. Par où t'es arrivé? Ah, bah par ici, oui, je suis con. Oh, faut que je mette plus de luminite. Bon, ben on va en mettre. Marche, c'est bon. Allez, on va mettre de la luminite là un petit peu partout. Ça va pas le faire. Faut que je puisse me déplacer tranquille. On reposera la terre. On va en mettre une ici. Et puis une là. Alors je pense que ça peut être sympa comme ça, non? Je ne sais pas. On verra. On verra si c'est vraiment utile d'en mettre ici. Faudrait à la limite que je remette de la feuille par-dessus. Mais ça peut le faire, hein, ça peut rendre quelque chose d'intéressant. J'ai vu quelqu'un faire ça avec de la bougie. Enfin, de la bougie, de la torche. Est-ce que j'aurai assez de terre? On va essayer de pas tomber. Hein. Voilà, il faudrait que je remette des feuilles là-dessus. Donc je vais prendre les ciseaux, couper sur un arbre et puis en récupérer et mettre par-dessus. Ça cachera au-dessus quoi, mais bon. Bon, on n'a pas dormi, c'est pas bien. Par contre, j'ai plus la terre que j'avais avant. C'est pas grave, hein. Regardez, on en a plein. Salopio. Merde. Tant pis. Voilà. Bon, en principe, ça ne respawn plus. Ah, il y a toujours des endroits. Ils ont jamais spawn derrière, là-haut, là. Ici, pareil, il n'y avait jamais de spawn. Là-dedans, il n'y en avait jamais. Alors, une fois que vous terminez un endroit, qui spawn plus à un endroit, il spawn à un autre. Donc ici ça a été réparé, ici ça a été arrangé avec ça, il spawn plus, mais juste après j'ai eu un spawn là-dedans. Maintenant là-dedans c'est terminé, j'ai eu un spawn de ce côté-là je crois. J'ai arrangé les choses ici, et maintenant on a un spawn qu'il n'y avait jamais avant, ici, voilà. Donc ici c'est fait. On va voir où ça va spawn. Au prochain coup. C'est en boucle. C'est jamais sécurisé. Jamais, jamais. Complètement idiot. On remet les petites dalles. Je crois que c'est terminé ça. Maintenant, je crois qu'il faut. Sans effet. Donc, c'est la toute première. Il faut la carotte. Ah là là. Je veux vraiment. Ah, ben voilà! C'est très bien comme ça. L'eau est allumée. Enfin, est allumée. L'eau est éclairée. C'est cool. Bon. Prêt, voilà, et puis on met de la redstone. La redstone, donc ça va nous faire des potions
à boire. Si je mettais de la poudre à canon, ce serait des splashs. Mais alors attendez. À l'instant même, elles sont là. En guérison, en night vision. Ouais, si j'avais mis une gunpowder, elle serait moins longue. Beaucoup moins longue. Enfin, en splash, elle aurait duré que 6 minutes, quoi. Parce que là, je crois que maintenant, je peux rajouter. J'ai pas de poudre à canon. Si. On va essayer une. Enfin, je vais pas la mettre, mais. Ouais, si je la mets, c'est foutu. Ouais, vous voyez? Elle se fait. Donc là, ça m'aurait fait une splash 6 minutes. Donc je préfère garder les potions à boire. Voilà. On les met toutes. Donc on a que ça, hein. 8 minutes, 8, 8, 8, c'est bon. 6, allez. On va s'en refaire. Voilà. Une carotte. Et puis ça. Ça c'est bon. Bon, bah on va déposer tout ça là qui nous sert à rien.